Scarpolestes est un des primates les plus basales. Il vivait il y a environ 58 millions d'années en Amérique du Nord. Les paléontologistes supportent l'idée d'une coévolution entre les angiospermes fruitiers et les premiers primates, où les arbres fruitiers offraient fruits et nectar en échange de dispersion des graines et pollen dans les forêts tropicales. Plus tard sont apparus les dermoptères planeurs, utilisant leur membrane de peau entre leurs pattes pour planer de branche en branche plus basse. Certaines espèces de lémures volants sont encore vivantes de nos jours, comme le galéopithèle de Temminck, qui ressemble beaucoup à ses cousins de l'Oligocène et doit partager le même mode de vie. Il est surtout nocturne et dort haut dans la dense canopée de la forêt. Darwinius a longtemps été pris pour le genre de base de l'évolution humaine, et était donc notre plus ancien ancêtre direct. Mais il y a eu un contre-coup immédiat de la part de la communauté scientifique. Beaucoup ont fini par s'apercevoir qu'il appartenait à une autre branche. Il devait être plus proche de Notarctus, un autre genre de primate primaire bien connu. L'erreur est véhiculée par les documentaires qui simplifient le schéma évolutif des primates, et surtout qui utilisent le terme de chaînon manquant, laissant penser que Darwinius est directement lié aux humains. En phylogénétique, la vulgarisation de l'évolution des espèces est difficile si l'on veut rester un minimum rigoureux. Mais ça ne peut pas se résumer à une suite de chaînons manquants. De plus, ça donne une idée de finitude qui est également fausse. Les strepsirrhines comme le hi-hi sont définis par leur museau humide. Ils ont aussi un cerveau plus petit comparé aux autres singes, avec des lobes olfactifs plus développés. La plupart sont de petits animaux, sauf le Megaladapis avec ses 1,50 m de long. Il était lent et à l'arrivée des humains en Madagascar il y a 2300 ans, c'était un animal facile à capturer. Ses représentants actuels sont plus petits et vivent toujours sur l'île Madagascar. Ils ont colonisé l'île après sa séparation entre l'Afrique et l'Antarctique. Une longue traversée de l'océan sans eau potable ou nourriture serait difficile pour un gros mammifère à sang chaud. Mais aujourd'hui, beaucoup d'espèces de lémures, petites et nocturnes, sont hétérothermiques, ce qui leur permet de réduire leur métabolisme quand ils doivent survivre sur leurs réserves de graisse. Cependant, ces traits de caractère n'ont pas été observés sur leurs proches cousins, les loris. Il pourrait avoir évolué en Madagascar en réponse aux conditions environnementales difficiles sur l'île. Madagascar est isolé du continent depuis si longtemps que la plupart des plantes et animaux sont endémiques. Les lorisidés sont nocturnes et, contrairement à leurs cousins les galagos, ne bondissent jamais. Certains ont des mouvements lents, alors que d'autres se déplacent rapidement dans les arbres. La plupart d'entre eux sont des espèces en danger, la destruction de leur habitat étant la principale cause de leur déclin. Ils ont été largement attaqués et tués pour des soi-disant remèdes médicaux, ou sont tués accidentellement par des chiens. Ils souffrent aussi du trafic d'animaux de compagnie.
Comme les tarsiers modernes, Necrolémur possédait 5 longs doigts et orteils, ainsi qu'une longue queue pour l'équilibre. Ces caractéristiques indiquent qu'il bondissait fréquemment. Teilhardina est un ancien genre qui vivait dans le monde entier. Trois hypothèses ont été faites pour expliquer cette répartition. L'Afrique était le continent d'origine du primate, puis ils se sont dispersés en Europe, puis en Amérique du Nord. Le primate est originaire d'Asie ou d'Afrique, puis s'est dispersé en Amérique du Nord, puis par le détroit de Bering en Europe. Le primate est originaire d'Asie, se sont dispersés jusqu'en Amérique du Nord pour revenir finalement en Europe. Platyrrhini signifie museau plat, et leur nez est plus plat que ceux des autres simiens, avec les narines orientées latéralement. Ils descendent des simiens africains qui ont colonisé l'Amérique du Sud, une lignée qui s'est séparée il y a 40 millions d'années. Les ouistitis sont des animaux très actifs, vivant au sommet de la canopée et se nourrissant d'insectes, de fruits et de feuilles. Ils ont de longues incisives qui leur permettent de mâcher les branches et les troncs des arbres pour en extraire de la gomme. Certaines espèces se sont spécialisées dans la récolte de gomme des arbres. D'après de récentes recherches, les ouistitis et tamarins peuvent transporter en eux les cellules reproductrices de leurs frères et sœurs, jumeaux, en raison de la fusion placentaire au cours du développement. À cause de leur petite taille par rapport aux autres primates, ils sont des proies faciles pour les oiseaux prédateurs, les serpents et les autres mammifères. Le singe écureuil commun est classé comme peu en danger, mais elle fait partie des nombreux animaux menacés par la déforestation. L'espèce a aussi été massivement capturée pour le commerce d'animaux et pour la recherche médicale. Le capucin brun a été observé en train d'utiliser des contenants pour transporter de l'eau, utiliser des bâtons, utiliser des éponges pour absorber des jus et utiliser des pierres comme marteau. Le saki à face pâle diffère des autres primates, y compris de leurs plus proches parents, en ce sens qu'ils sont principalement des sauteurs. C'est comme ça qu'ils se déplacent 70% du temps. La face rouge vive du wakari est un signe de bonne santé et permet de déterminer un partenaire sain. Ces singes ont tendance à être porteurs de la malaria.
Le catopithèque est morphologiquement un anthropoïde primitif. Il se trouve à la base de la séparation des Catarrhines. Ces caractéristiques ont conduit à un accord général sur l'affinité phylogénétique de Catopithecus en tant que taxon frère de Propliopithecine. Les singes de l'Ancien Monde sont natifs de l'Afrique et l'Asie, habitant différents écosystèmes des forêts aux savanes, en passant par les montagnes, et ont aussi conquis l'Europe d'après les traces fossiles. Ce groupe contient les espèces les plus familières des primates non humains, comme les babouins ou les macaques. La plupart d'entre eux sont partiellement omnivores, mais tous préfèrent la matière végétale qui constitue une bonne partie de leur alimentation. Les trachypithèques sont les plus végétariens. Le nasique est endémique de l'île de Bornéo et sa population totale a diminué de plus de 50% durant les 40 dernières années à cause de la perte de leur habitat, détruit par les humains pour la plantation de palmiers à huile et le commerce de bois. Le Cercopithèque de Brazza est un des primates qui vit en forêt avec le plus grand aire de répartition. Il communique avec des sons gutturaux en secouant les branches, ainsi qu'une grande variété d'expressions faciales et de mouvements. Les macaques ont une structure sociale complexe et une forte hiérarchie. Si un macaque d'un niveau inférieur dans la chaîne sociale a mangé des baies et qu'il n'en reste plus pour un macaque de niveau supérieur, alors le plus haut placé peut, au sein de cette organisation sociale, retirer les baies de la bouche de l'autre singe. Le macaque japonais est une espèce particulièrement intelligente. La madrias est un animal sacré dans l'ancienne Égypte et apparaissait sous plusieurs rôles durant les religions pharaoniques. C'est pourquoi il est aussi appelé le singe sacré. Le gélada est adapté à son mode de vie terrestre et graminivore. Ce sont les seuls primates mangeurs d'herbes connus. Leur plus grande menace est la réduction de leur habitat à cause de l'expansion agricole. Ils sont aussi tués car considérés comme nuisibles pour les cultures. Le mandrill est le plus gros primate de ce groupe. Charles Darwin a écrit dans The Descent of Man qu'aucun autre membre de toute la classe des mammifères n'est coloré d'une manière aussi extraordinaire que celle du mandrill mâle adulte. Les gibbons, les grands singes et les humains font partie d'une même lignée dans la biologie évolutive, qui pourrait inclure aussi Proconsul. Son nom indique qu'il peut être un ancêtre des chimpanzés. Si c'est vrai, cela pourrait faire de Proconsul l'ancêtre de tous les grands singes. Le caractère qui le lie avec les grands singes, c'est l'absence d'une queue, comme pour les gibbons.
Le gigantopithèque était le plus grand primate connu qui ait jamais existé. Il se serait éteint il y a environ 100 000 ans à cause du changement climatique qu'il y a eu au début du Pléistocène. L'orang-outan de Bornéo est en danger critique d'extinction. La déforestation, la plantation de palmiers à huile et le braconnage menacent sérieusement son existence. La sous-famille des hominidés est apparue il y a entre 14 et 12,5 millions d'années. Sa séparation entre les gorillini et les hominini s'est produite il y a entre 10 et 8 millions d'années, durant la fin du Miocène. Aujourd'hui, les gorilles vivent dans les forêts tropicales avec des sols acides qui préservent très mal les fossiles. Alors trop peu de fossiles de gorilles ont pu être retrouvés, alors que les fossiles de la lignée humaine sont bien plus abondants. La séparation entre les chimpanzés et les hommes a été un long processus, étiré dans le temps. Il y a eu des périodes d'hybridation entre les populations, de longues périodes de divergence et d'hybridation se sont déroulées pendant quelques millions d'années. Avec les chimpanzés communs, le bonobo est le parent vivant le plus proche des humains. Vu que les deux espèces ne sont pas de bons nageurs, la formation du fleuve Congo il y a 2 millions d'années a permis au bonobo de s'isoler génétiquement des chimpanzés. Sahelanthropus existait durant la période de séparation des humains et des chimpanzés. Alors les paléontologues suggèrent qu'il est trop vieux pour pouvoir être un ancêtre direct des humains. Les orteils et la structure du pelvis chez Ardipithèque suggèrent pour certains chercheurs que l'organisme se déplaçait de manière verticale. Plus tard, les espèces d'Australopithèques jouèrent un rôle significatif dans l'évolution des humains, le genre Homo s'étant dérivé des Australopithèques à un certain moment il y a 3 millions d'années. De plus, c'était le premier hominidé à posséder certains gènes qui augmentent la longueur et la capacité des neurones dans le cerveau. Une des espèces d'Australopithèques est probablement devenue le genre Homo en Afrique il y a 2 millions d'années. Homo erectus développait des outils primitifs et pourrait avoir utilisé le feu. Il y a des indices archéologiques qui mettent en évidence le fait qu'il cuisait sa nourriture. Le projet Génome de Néandertal a révélé que, grâce au métissage, les Néandertaliens pourraient avoir contribué à l'ADN de l'homme moderne, probablement il y a entre 50 000 et 60 000 ans. Mais les humains modernes ont peut-être introduit une maladie qui a contribué à l'extinction des Néandertaliens, et qui pourrait s'ajouter à d'autres explications récentes de leur extinction, en dehors du réchauffement climatique.